Eh bien salut tout le monde, c'est Black Paradise et aujourd'hui on se retrouve sur le let's play de Little Big Planet. C'est l'épisode 2, c'est parti. Donc je suis avec mon petit Sackboy, voilà, trop mignon avec marqué Black Paradise dessus. Qui agite les mains genre I like to move it, move it. Wesh, j'ai un accent de merde. Voilà, bah on va continuer dans le mode histoire. Alors voilà, on y va, mode histoire. La dernière fois qu'est-ce qu'on avait fait? Alors attends, avant la dernière fois déjà, je tiens à dire que là, on peut choisir le monde, on est dans le monde. Et ah, oh, c'est trop bien. Et on est dans le jardin. De toute façon, c'est le seul endroit du monde qu'on a. Donc on va dans le jardin. La dernière fois, on a fait premier pas pour apprendre vraiment tout sur Little Big Planet. On a fait ta saisie, c'était le niveau avec le cheval. Et là, on va commencer skate jusqu'à la victoire. C'est le niveau... je sais pas, je connais pas trop, on va découvrir tout ça. Voilà. Pour cet épisode 2, bah comme tout le temps, je le dis souvent, mais on découvre beaucoup de choses dans tous les nouveaux épisodes sur les niveaux, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés au fur et à mesure du jeu qui apparaissent. Là c'est un icône, c'est un badge un peu bizarre, mais on va regarder. On dirait un espèce de fantôme rocker, enfin ouais, bizarre. On verra bien. Donc... Est-ce qu'il y a des trucs vers là? Souvent il y a des trucs vers ce niveau. Et voilà, encore une fois de plus, alors si vous avez regardé le niveau 1, vous allez comprendre. L'épisode 1, pas le niveau 1. Là il y a une étoile et je sais pas du tout. J'ai pas d'autocollant étoile. Oh c'est trop mignon. J'ai pas du tout d'autocollant étoile, donc je pourrais coller un autocollant, mais je ne sais pas. Je ne trouve pas l'autocollant. Faut que je le trouve. Ah tiens, le roi. C'est terminé pour les trucs faciles. De l'autre côté de cette falaise s'élève un château lugubre. Saisis cet oiseau et mets-toi en route. Alors regardez, on va saisir l'oiseau. Let's go. Ah, j'ai du swag. C'est le sack boy. C'est le swag boy, on va l'appeler. Oh mon dieu, ils sont fous. Mais ils sont fous. Mon sack boy va finir malade. Mon sack boy, ça va être un sack boy malade. Je vais me coltiner. Le pauvre là, il va vomir. Wouh! Oh my god! Non, je veux juste les outils. Est-ce que c'est possible? Ah, je suis bloqué. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est bloqué? Déjà, faudrait peut-être que je lâche. Alors, quand on est bloqué, on appuie sur carré. Et sur maintenir pour recommencer. Ah voilà, c'est mieux. Enfin non, c'est moins bien, mais c'est pas bon. Ça j'ai récupéré, mais je suis encore bloqué. Allez, on appuie. Je crois qu'il faut appuyer longtemps sur... Enfin beaucoup sur X pour sauter partout et se débloquer. Donc allez, toi tu vas tomber. Voilà, c'est bon. Je me suis dit on allait pas rester bloqué là quand même. Alors encore une fois, il y a le petit autocollant étoile qui tourne, mais je n'ai pas l'étoile. Où est-ce qu'on l'a, cette satanée étoile? Je vais pas devoir refaire tous les niveaux quand même. Ah là, il y a plein de trucs à débloquer, tenez, on va prendre ça. Hop là, allez hop. Wouh! Je crois que c'est des autocollants. Hein. Non, je suis mort dans l'autoxique. Encore mort dans l'autoxique, mais je fais que mourir, dis donc. Faut que je fasse gaffe, hein, parce qu'il y a peut-être une limite de vie, hein, je sais pas du tout. Ah, et là j'avais remarqué tout à l'heure qu'il y avait aussi des trucs que je n'arrive pas à avoir. Et bah non, je n'arriverai pas. Donc je vais pas réussir à prendre ces autocollants, je sais pas pourquoi. Ah, là il y en a un autre. Ah, j'ai compris, voilà. Ah, ok, j'ai compris la technique. Alors regardez, je vais vous montrer. Merde, mon sack boy s'est barré tout simplement. Alors. Toi je vais te parler après. Alors voilà, je comprenais pas pourquoi je pouvais pas les avoir. Ben, c'est tout simple. Là il faut aller vers le bas, donc il faut appuyer sur X. Allez. Bon allez voilà, je me laisse tomber. Ah là là, comme je vous le disais dans l'épisode 1, faut pas hésiter à prendre les moindres recoins. Et là je suis encore mort. Je fais que mourir dis donc dans cet épisode. Faut pas hésiter à chercher dans les moindres recoins parce qu'il y a beaucoup d'éléments à trouver. Donc, tu peux utiliser l'outil caméra pour créer tes propres autocollants. Saute sur ce bouton rouge pour découvrir comment.
Je sais pas, je suis intrigué aujourd'hui, je vais le faire. Une photo peut saisir un instant magique et le conserver à jamais. Ah, regardez, je peux faire un sourire. Dans Little Big Planet, sourire de Mongol. Il y a toujours des moments magiques à collectionner. Alors, rends-toi sur la page Mes images, dans les pages autocollants page et déco. Mes images. Pour trouver l'outil Prendre une photo. Sélectionne-le, puis utilise les joysticks gauche et droit pour cadrer ton shader. Bah, appuie ouais, okay, sur la touche okay. Action. Voilà. 2. Et bim, badaboum, te 0. Voilà avec une image capturée sous la forme d'un ok, c'est pour coller. Ah oui, parce qu'en fait, on peut coller des images n'importe où. Ici, regardez, voilà. J'en mets une là. Interdit. J'en mets une là. J'en mets une n'importe alors, où. Affiche-toi, mon bonhomme. Affiche-toi, il est sérieux. Ah oui, on peut mettre des images vraiment n'importe où. C'est de la folie pure, dure, simple, rude. Voilà. Donc, ouais, elle me. Bon, on va pas créer d'autocollants, on va pas commencer à être dans ce délire là parce qu'on pourrait en créer des milliers. Ah, attends, il parle de jetpack, ça m'intéresse. Donc, collecte ce jetpack pour voltiger dans les airs. Maintiens la touche X pour donner plus de punch. Tu peux saisir des objets à l'aide de R1 pour arrêter d'utiliser le jetpack. Presse la touche cercle. Ah ok, bah pas mal. Ah ouais, c'est ce qui va me permettre d'avoir tout ça, ok. I say. Et là, ça me permet d'avoir donc plein d'autocollants. Quand je, là, vous voyez, on est au début du niveau, j'ai dû passer au moins ça fait quelques minutes quand même dessus parce que... Il y a plein de... Quoi? Je suis passé à travers. Il y a plein d'autocollants, donc je tiens vraiment à les avoir tous. Si je peux les avoir facilement, bah je les prends. Allez, là, il y a encore la petite étoile, je ne peux pas encore voir. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, est-ce qu'on pourrait pas le mettre? Bah non. Mince, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire avec ce ballon? Je comprends pas. Je comprends pas ce que je dois faire avec ce ballon. Je vais le prendre après. Hein. Ah, si, peut-être que je fasse. Non, je comprends pas. Ah, bah faut peut-être que non. Bon, bah je vais parler au mec. Ah ok, faut que je mette du jetpack. Regardez, je prends un truc comme ça. Ah c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Ils ont archi bien pensé le truc. Ils avaient tout prévu. Par exemple là on vient de découvrir le jetpack que on connaissait pas avant. Donc dans chaque épisode on découvre des choses sur ce magnifique monde qui est Little Planet. Voilà, ah bah ça servait à... simplement ouvrir tout ça. Donc là il y a une botte. Et si je me faisais écraser? Ouh, ah, je me suis pris le plafond. Sont-ils sérieux? Serious me? Let's go. Oh, des fantômes. Ah bah c'est pour ça qu'il y avait un fantôme sur la petite miniature. Ah, je peux peut-être me tirer à eux. Ils sont censés me faire mal ou pas? Bon, je crois pas, hein. Donc... Oh mince! Mais si, ça fait mal! Je croyais que ça faisait pas mal, moi. Ah, faut faire gaffe, hein, ça fait mal, hein. Les fantômes jettent de la lueur, là, je sais pas. Une espèce de lueur bizarre. Non! Je vais faire que mourir. Décidément, c'est pas mon jour. L'épisode dernier, je suis mort une fois, peut-être, je sais pas. Et là je ne fais que mourir. Pourquoi? Oh, le temps que je finis le niveau, hein, c'est bon. Allez. Saut de la mort! Ah mais je suis trop bête! Je viens de passer à côté de l'autocollant. Ah mais il faut vraiment être à ma place, quoi. Je suis vraiment en mode... What? Et donc, encore une fois, un autocollant à prendre. Ou soit c'est des autocollants, soit c'est des tenues. Il y a beaucoup de choses à prendre. Et je vais essayer de faire un maximum de choses dans ce let's play, hein. Comme j'ai dit, je vais un maximum rechercher les éléments. Et même un simple autocollant, moi je le prendrai. Allez. Fais pas avoir par là. Oh, en plus celui-là il bouge. Ils ont pas le droit de bouger, non, c'est interdit. Ne meurs pas. J'ai fait quoi là? Ah, j'ai activé une botte. Ouais.
N'empêche, on meurt très facilement, fais gaffe. Non, mais non, attendez, mais ça se fait pas. Cette botte emoji, c'est la botte de je ne sais qui. Ah là là. N'empêche, pour finir les niveaux à 100% à la fin, on va quand même passer un peu beaucoup de temps. Ah mais ils sont pas sérieux. Ah ouais, c'est à ça que ça sert. Alors, attendez. Faut pas que je me fasse écraser. Il faut que je monte direct, je vais vous montrer pourquoi. Voilà, pour ça. Je vais collecter juste la clé. Donc la clé qui permet de déverrouiller des petits jeux bonus, on va dire. Alors, ceci est une zone spéciale de défi coopératif. Le petit panneau Sackboy x2, ici, signifie qu'il te faut l'aide d'un ami pour déverrouiller les bulles récompenses en haut. Malheureusement, ce let's play, je le fais en solo, hein, ouais. Peut-être qu'il y aura des épisodes où des gens me rejoindront et encore... iront me rejoindre. Et encore, à mon avis, c'est pas sûr du tout, parce que... trouver des gens libres pour un épisode comme ça de Little Planet, j'en connais pas beaucoup. Sauf si vous, dans les commentaires, vous avez envie de participer, on peut s'arranger peut-être même. Ouais, donc des fois, ouais. Je suis désolé, mais des fois, il y a des défis comme ça que je pourrais pas faire car je suis tout seul. Waouh! Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça sert juste à prendre des billes? C'est pas mal. Quoi? What the... Mais vous avez vu ce que j'ai fait? Je viens de me suicider. Heureusement qu'on a pas de vie, hein, parce que sinon... Ah, une course! Attention! C'est une course de skate! Incroyable, tu as réussi, tire le skate, mais comment je fais pour tirer le skate? Ah, comme ça? Non, vite! Ah, j'ai du temps! Ah, mais comment je fais pour tirer le skate? Tire le skate, vite! Oh, c'est trop bien! Waouh, mon dieu! C'est horrible! J'ai le vertige, je vais! Non, mais en fait, ça va super! Oh, backflip 360, no scope! Oh là là! Ah bah, ils auraient pas dû me donner tout ce temps. Enfin, n'empêche qu'au début, j'ai cru que j'allais fail le truc, quoi. Bah, bravo, hein. Ces bulles récompenses contiennent des objets et matériaux. Tu peux les utiliser pour réaliser tes propres niveaux. Donc là, c'est pareil, hein. On fait un let's play, donc je vais pas réaliser mes propres niveaux. Peut-être que si je fais des épisodes bonus après sur ma chaîne, je pourrais faire des niveaux. Mais... Un niveau, ça prend quand même beaucoup de temps à faire si on veut vraiment faire ce qu'on a envie. Je suis le premier des curateurs créateurs. Tu en croiseras 7 autres au cours de ta quête. Mets le cap sur la savane pour rencontrer le prochain créateur Zola. Donc c'est ce que je pensais que... ce que je vous avais dit la dernière fois. Enfin, en début d'épisode même. On est dans le monde qui s'appelle le jardin. Enfin dans le monde, dans le territoire qui s'appelle le jardin. Et bah là on va aller dans la savane. Mais est-ce qu'on va le faire dans cet épisode? Je sais pas, parce que j'ai des... On verra bien si on a le temps. Et là je vais faire les mini-jeux que j'ai débloqués. J'ai débloqué des mini-jeux. On va les faire quand même. Kikou. Fais un sourire. Ouais. Donc vous voyez, j'ai fait 19681. Et bah j'avais battu mon propre record sur une autre... une autre partie. Donc voilà, j'ai débloqué un mini-jeu, ils me disent. Et là, j'ai débloqué la savane. Tu es un véritable explorateur du paysage imaginaire. Tu es un véritable... Tu as déverrouillé l'œuvre d'un autre curateur-créateur. Tu es un rêveur né. Alors voici deux autres planètes dans lesquelles tisser ta magie. Il va me donner deux autres planètes. Visite-les. Avec audace, bien sûr, je t'y retrouverai pour te fournir d'autres infos touristiques. Ou manger, par exemple. Hein? Ok. Donc, concrètement, le mec... voyez, là, c'est le jardin. On l'a fait à 54% parce qu'il y a plein de trucs que j'ai pas encore découvert dedans. Et là, c'est savane. Donc, la lune, alors, qui est à côté... Ma lune, ça permet de créer... en fait, ma lune, ça permet d'aller en ligne, prendre les niveaux. Car, faut le dire, Little Big Planet, sa vie à cause de... Sa vie grâce, j'allais dire à cause... Sa vie grâce à sa communauté. La communauté de Little Big Planet fait vivre le jeu. C'est-à-dire, tout le monde... La communauté fait des niveaux, ils les mettent en ligne. Et tout le monde peut les essayer. Et si on aime bien un niveau que quelqu'un a créé, on le met sur ma lune, c'est-à-dire mes niveaux.
Tout d'abord, info lune. Tu dois accepter le contrat de licence. De la lune et sélectionne-le. Te connecter et utiliser cette fonction. Avec la touche action. Non. Alors voici. Ok. Échec de la. J'ai pas envie du tout de me connecter au Xbox Live parce que je tiens à garder mon pseudo Black Paradise et sur le Xbox Live c'est pas du tout ce pseudo là. Voilà. Donc je vais pas me connecter au Xbox Live. Salut. Donc on va aller dans le jardin, mais on va faire les petits mini-jeux qu'on a pas fait, tiens, voilà. Donc quels sont les mini-jeux qu'on a pas fait? Alors il y a défi, escalader le château. Dans Little Big Planet. Allez, on va jouer et ramasse les matériaux et autres objets pour On va jouer à ce défi. Nouveaux mondes étranges. Donc des fois si je coupe mon micro juste deux secondes, qu'on m'entend pas parler, c'est normal, j'ai un petit mal de gorge, c'est l'hiver, j'ai attrapé froid, normal. Bienvenue dans le défi escalader le château. Explose le chrono et atteins la ligne d'arrivée le plus vite possible pour pulvériser le record. N'oublie pas que si tu collectes des bulles de score, tu mets le chrono en pause et tu récoltes des points. Donc faut avoir des bulles quoi. Hein? Let's go! Allez, crazy. Mince, j'ai foiré mon départ. Allez. Allez, on est en forme, ouais, on a la pêche. Wouh, on y va le plus vite possible. Oh, le temps qu'on arrive dans le chrono, hein, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, on passe par là. Allez. Je veux cette bulle. Vite, voilà, allez hop. On est en mode bulle. Allez. Ouais, j'ai les bulles. Donc le but c'est d'aller le plus vite possible, faut quand même ramasser des bulles. Et là, regardez, je vais faire exprès de me sauter. Ouais, j'ai eu plein de bulles. Mince, j'ai pris un mauvais virage. Donc vous avez pu voir qu'on peut se balader sur trois rangées. Je vais vous montrer, mais ça je vous montrerai plus sur des niveaux, d'autres niveaux, j'ai oublié de le préciser. Ah non, j'ai oublié une des bulles, bon pas grave. Vite. En fait ils me disent vite mais je suis même pas à la moitié du chrono encore donc vite. Ouais, un endroit de spawn. Non. je suis pas encore mort, c'est bon. Oh là là. Ah mince. Ah bah voilà, je comprends pourquoi ils ont mis beaucoup de chrono en fait. Parce que là, vous voyez, je suis mort comme une daube. Allez. Ouais, faut pas se laisser décourager, je peux encore finir le niveau. Non. Bon, vous savez ce que je vais faire, regardez. Maintiens, normalement ça devrait recommencer, voilà, juste là. Ça m'évite de tout faire. Vite, le chrono est presque terminé, allez hop. Et... non, j'ai... pourquoi j'arrive pas à l'atteindre? C'est un truc de fifou. Je dois recommencer une deuxième fois le mini-jeu. Non, allez, je peux peut-être encore y arriver. Ça m'étonnerait, mais je peux essayer quand même. Allez hop. Une bulle. J'ai une bulle, c'est pas grave, j'ai ramassé une bulle, il y a encore de l'espoir. Oui, j'ai des bulles. Non. Oh, ils sont vaches quand même. J'étais presque à la fin. Ah bah, à mon avis, j'ai dû perdre. Je vais le recommencer une deuxième fois si vous voulez, le mini-jeu, pour vous montrer un petit peu. Alors, on va faire la fin là. Non, mon dieu, mon Sackboy est mort. Quelle cruauté il a été. Mais comment on fait? Ah oui, faut les attendre. Mon Sackboy a été pulvérisé par des épines. Oh là là, c'est grave dangereux, mais ils sont fous. Ah, c'est ma dernière vie. Ah bah voilà. Tu as perdu. Bah on va recommencer le niveau si vous voulez. Et cette fois-ci, comme on connaît un petit peu la carte vite fait, on y va en mode one again. 3, 2, 1, let's go! Allez hop, on y va à fond. Ouais! Alors, toujours collecter un maximum de bulles pour arrêter le chrono. En fait, ça sert à arrêter le chrono, c'est bien. Et à. Bah, au contraire, quand on n'a pas assez de chrono, et ça nous en rajoute. Allez hop. J'en ai pas pris une, mais c'est pas grave! 10 000, 9 000, je sais pas. En fait, je les ai pris, mais ça fait plus me ralentir que autre chose là. Mais faut les prendre. Toutes celles qu'on peut, on les prend. Allez hop.
Et à la fin, surtout avec les nuages, faut pas que je me fasse avoir. Je me fais encore avoir, bah là, je passerai au mini-jeu suivant si vous voulez. Comme quoi, vous avez vu qu'il y a, il y a quand même pas mal de contenu sur ce Little Big Planet. C'est quand même le premier. Non, voilà. C'est quand même le premier hein, Little Big Planet qu'ils ont sorti. Et là, je me suis fait avoir encore, ne vous inquiétez pas. Mais ça va être le premier, il y a quand même pas mal de contenu. Et on m'a dit que dans le 2, il y en avait encore plus. Et j'ai pas joué au 2, mais non, j'ai pas joué au 2. Bah, comment ils veulent? Ah voilà, j'aurais dû faire ça tout à l'heure. Mince, j'arrive pas. Mince, mince, mince. Vite, je vais perdre mon chrono là. Ah voilà, let's go. Allez, on est parti, on est parti, on est parti. On fonce, on fonce, on fonce. Et là, faut pas se faire avoir ici. Hein. Prêt. Une. Deux. Trois. 4, c'est dur. 5, allez, je vois l'arrivée en haut. Ça serait sadique d'en arriver là. 6, voilà, on y est arrivé. On a sauté les 4-5 nuages là. Bon, bah pas mal du tout, pas mal du tout. Ça, à mon avis, record du monde, ils ont dû faire mieux. Hein, mais bon, pas grave. Bah vous voyez, il est quand même sympa ce petit mini-jeu. C'était une espèce de course. Ouais, Black Paradise, 7666. Continuez. Bah je vous propose de faire le deuxième mini-jeu que qui est disponible. Donc lui on l'a déjà fait, c'était l'introduction. Il y a quand même un mini-jeu que j'ai pas débloqué hein, mais bon. Je l'ai. Non, non, ça c'est le mode safari. Cravate à sauter. Cravate à sauter. Saute par-dessus la cravate, reste en vie le plus longtemps possible et récolte des points. Ça c'est pour moi. Allez. Bienvenue dans le jeu de la cravate à sauter. Saute par-dessus la cravate et ne te fais pas toucher. Reste en vie et collectionne des bulles de score mais aussi longtemps que possible avant de mourir. Saute dans le trou pour commencer. Allusion. Allez, let's go. Ah, je le connais ce jeu-là. J'ai vu... Je leur fais un petit coucou d'ailleurs au passage, mais ils me regardent pas. C'est toute la team code que je suis vraiment... les vidéos d'ailleurs sur la chaîne de Mr. B-Boy et Miss Big Girl 45 et qui ont fait ce jeu là ils étaient 4, alors je vous dis faire ce jeu là quand on est à 4 c'est juste trop marrant, mais franchement des barres. Donc ça va aller de plus en plus vite, regardez, à un moment ça va péter son câble et je crois que ça va arriver à la fin. J'ai toujours le même petit skin. Ah, j'aime bien la musique derrière. Oh là 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 là. Ça va, la musique elle va de plus en plus vite hein, en même temps. Ça va aller vite, ça va aller vite, ça va aller vite. Ah, j'ai 200 bulles, j'ai 200 bulles, regardez. 210. Oh mon dieu. Regardez, en plus quand on se le prend, ça fait rien, faut juste ne pas être expulsé de la de là quoi. Oh mon dieu, ça va trop vite pour moi. Ça va trop vite. Comment on fait? Comment on fait? Ah, j'ai compris, il faut se mettre sur le... Si on se met ici, ça va un peu mieux. Oh mon dieu! C'est un truc de ouf, hein. Je vais me faire expulser à un moment. Oh mon dieu! Non, ça va trop vite! Et la musique est... derrière est à fond, quoi. Ah, là, le bras, il va lâcher, à mon avis, hein. Non, non, je me fais frapper. Je me suis fait frapper. Oh là là. Niveau terminé. Donc, mon score, 522, tout ça. Feu d'artifice, bah merci, merci. Merci à tous. Regardez. Yeah, DDG. Eh ben, j'ai battu mon record, mais en même temps, quand je l'ai fait il y a 2 ans, j'ai pas dû faire un super record. Bon, voilà, je vous ai présenté un petit peu le... Bah, on a déjà fait un monde quand même, c'est le jardin. Il manque juste un mini-jeu là que j'ai pas réussi à avoir. Ah, peut-être que j'essaierai de l'avoir si je peux. Voilà, voilà, dans le prochain épisode, bah, pour vous montrer un petit peu ce qu'on va faire, on va aller dans le mode savane, dans le monde, enfin, à l'endroit qui s'appelle savane. Je sais pas comment dire, on peut pas dire que ce soit un monde parce qu'on est sur Terre là. On va aller dans la savane tout simplement.
Sur ce, bah, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit commentaire, ce que vous avez pensé de la vidéo, des petits conseils, des astuces, enfin tout ce que vous voulez. Ça me fait vraiment plaisir. Et mettez un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à ciao, salut tout le monde, et on se donne rendez-vous la prochaine fois dans l'épisode numéro 3.